Bonjour, aujourd'hui je vous propose un petit bricolage lapin en origami. Alors, vous aurez besoin d'une feuille de papier, une paire de ciseaux et de quoi colorier des feutres ou des crayons. N'hésitez pas à faire pause si besoin au cours de la vidéo. Alors tout d'abord, on va former un triangle avec la pointe de notre feuille. Voilà, donc on fait un beau triangle, on appuie bien sur le pli. Et on va découper le surplus. Voilà. Alors maintenant, on va mettre la pointe où il y a l'ouverture vers le haut et on va plier en deux notre triangle pour former un pli qui va nous servir de guide par la suite. Donc on fait bien correspondre les bords du bas et les pointes et on appuie tout du long pour former le pli. On réouvre et maintenant, c'est le bas qu'on va plier pour faire un petit bord. Voilà, ça ressemble à un petit bateau pour l'instant. Maintenant, ce côté, on va le replier sur la ligne du milieu qui a été formée par le pli. Voilà, donc on fait bien correspondre avec la ligne du milieu et on appuie. On fait la même chose de l'autre côté. Donc il faut bien appuyer parce qu'il y a quelques épaisseurs. Voilà, donc on le retourne. On voit déjà les petites oreilles du lapin qui se préparent, mais on doit plier ces deux morceaux de papier. Donc on va d'abord plier vers l'avant. Voilà, on forme un pli. Et puis, on va cacher tout ça derrière pour que ça soit plus joli. Comme ceci. Maintenant, on retourne et la pointe du bas, on va la plier pour former un beau visage pour notre lapin. Voilà, on le retourne. Le pliage est déjà terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre des couleurs. Donc, là, j'ai choisi de mettre du rose pour les oreilles du lapin. Je soulève un petit peu pour pouvoir dépasser et qu'on ne voit pas la démarcation. Mais ça, c'est optionnel, bien entendu. Donc, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez pour votre lapin. Voilà, à nouveau, je soulève pour éviter qu'il y ait une démarcation. Pour que ça soit bien uni. Maintenant, on va lui faire son petit nez tout rose, donc je fais un ovale que je remplis. Et maintenant il lui faut des yeux pour voir. Donc je vais lui faire deux grands ovales noirs, l'un à côté de l'autre. Maintenant sa bouche avec deux ponts et deux grandes dents. Trois petits points de chaque côté et deux moustaches de chaque côté. Et voilà, notre petit lapin est terminé. Donc j'espère que ce pliage et ce petit bricolage vous aura plu. J'en ferai encore d'autres, bien évidemment. N'hésitez pas à suivre pour pouvoir voir la suite.